Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous le voyez déjà sur ces premières images signées aujourd'hui de mon ami Benoît Père-et-Gentil, qu'on remercie, de la société Cornland Studio. On est dans l'Oberland bernois. Ça nous change un peu, mais avec plaisir, du reste du Valais. Et puis aujourd'hui, eh bien, on va parler hôtellerie, on va parler restauration, on va parler wellness, spa. On est en compagnie du directeur de cet hôtel, Hermitage Wellness et Spa. On se trouve à Schoenried avec Romuald Bourg qui nous reçoit. Bonjour Romuald. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir chez toi, ici, dans ce magnifique hôtel Wellness Spa. Merci d'avoir commandé le beau temps, parce que c'est la moindre des choses. On n'a pas fait le voyage pour rien, on est très content d'être ici. On va commencer à marcher, on a un petit bout de parcours à faire les deux. Romuald, on va revenir peut-être, parce qu'on s'en rend compte, évidemment, cet hôtel, on a l'impression, c'est pas qu'une impression, et vous verrez du reste tout ce qui est intérieur, je profite de le préciser, dans nos stories, dans nos différentes images à côté de ce reportage, parce qu'évidemment, en direct, on n'a pas le temps de filmer l'ensemble de l'hôtel, on va s'intéresser à la partie plutôt extérieure. Piscine, c'est un hôtel, Romuald, qui date, qui a combien de temps en termes d'histoire? Alors, c'est quoi son histoire? Le début de l'hôtel, c'était dans les années 50. 1955 exactement, puis il a toujours continué à grandir. Quelle belle année! Non, c'est mon année de naissance. C'est une plaisante. Oui. Non, c'est quand même plus vieux. Oui, encore plus vieux. Non, c'est une belle année, j'en conviens. Et il a grandi avec le temps, et la dernière grande rénovation, agrandissement, a eu lieu il y a une dizaine d'années. Et maintenant, il a une centaine de chambres. Il est ouvert toute l'année, ce qui est quelque chose d'unique un petit peu dans le Zannenland, parce que la plupart des hôtels sont ouverts 6 mois. Et c'est un chalet, finalement. C'est une ambiance très chalet. Comment est-ce qu'on fait, justement, parce que dans la région, bien entendu, il y a plusieurs hôtels, on a un palace qui n'est pas très loin. Comment est-ce qu'on essaye de se démarquer? Je pense qu'il faut avoir son caractère et... Chacun doit viser un type de clientèle. On ne se fait pas concurrence entre nous, finalement, parce qu'on a des offres différentes, on a des philosophies différentes. Et ça ne se mord pas entre eux. Les points forts sont alors le spa, il y a évidemment tout le côté 3700 mètres carrés. Ouais. Ah ouais, c'est énorme. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Encore une fois, on a l'occasion de le voir sur des images qui seront à côté dans nos stories. Moi, j'aimerais aussi savoir, Romuald, parce qu'il y a un petit accent là derrière, alsacien. Alors, on a l'impression j'essaie de le cacher, mais j'y arrive pas. Non, on a l'impression, c'est très charmant, on a l'impression effectivement que tu n'es pas forcément né dans cette Oberland bernois. Ton parcours à toi, c'est lequel? J'ai fait l'école hôtelière à Strasbourg, je suis alsacien. Et après, un peu voyagé comme tout le monde. Puis j'ai atterri en Suisse, à Gstaad, et je pensais rester une saison. Et puis maintenant, ça fait 25 ans que j'y suis, plus ou moins. Et j'étais pendant 20 ans au Palace. Et maintenant, comme dit, ça fait la moitié de la carrière là-bas, et l'autre moitié, je la fais ici. Puis... C'est important de dire que cet hôtel, donc c'est un hôtel pour tout type de, on va dire pour tout type de gens. Ça peut être pour les affaires. Il y a aussi des familles qui viennent ici. Oui. On peut évidemment accueillir les familles. Il n'y en a pas forcément trop. On va rentrer en période peut-être d'été où il y aura un tout petit peu plus. C'est important de dire que cet hôtel, c'est une famille propriétaire. Oui. Et c'est, on peut pas parler de chaîne, mais il y a deux types d'hôtels. Hein. Oui, il y en a deux. Ouais, on a encore un hôtel à Merligen, c'est au lac de Thun, qui s'appelle le Beatus. Et on se complète bien entre le Beatus et l'Ermitage. On a la mer et la montagne, finalement. C'est très bien. À proposer. En termes de fréquentation, parce qu'on est un peu obligé de revenir, même si c'est un mauvais souvenir avec le Covid. Hein. D'abord, le Covid, ça a été compliqué pour toi ici. Ça s'est géré comment? On était plus ou moins complet en permanence. À partir du moment où on avait le droit d'être ouvert, les gens étaient là. Et c'était pas évident parce qu'on avait du mal à trouver du personnel. Et c'était un challenge, mais je dois dire que c'était 3 années qui ont été très bonnes pour nous. En termes aujourd'hui de fréquentation, c'est un hôtel. Est-ce qu'il y a des saisons quand même? Parce que c'est hiver-été, tu l'as dit, ouvert tout le temps. Mais évidemment qu'il y a des saisons qui sont quand même un peu plus favorables que d'autres. Hein. On remarque une différence, mais dans l'ensemble, on travaille plus ou moins bien toute l'année. Mais il y a des moments plus forts et plus faibles, bien entendu. Alors ici, une des forces, hein, alors évidemment que là, on rentre et on s'en rend compte dans la partie aquatique, hein, si je puis dire. Ça, là, on a affaire carrément à une piscine, enfin dite normale, chauffée. C'est une piscine de nage.
de natation qui, ouais, elle a 28 degrés. Elle est un peu plus fraîche que le Solbad. Ça, c'est une piscine saline avec des sels qui viennent de Suisse, qui sont de près de Bâle. Et celle-là, elle a 35 degrés. Enfin, des piscines, il y en a en tout 4. Ok. Il y a de quoi faire. Intérieur. Et là-bas, on voit que c'est plutôt, évidemment... Un Solbad, ouais, une piscine saline. Une piscine saline avec du mouvement, évidemment, pour ceux qui, on en voit au loin, se faire... masser un tout petit peu le dos, puis là c'est bien parce qu'il y a des couloirs pour nager. Si j'avais su, j'aurais peut-être pris du reste mon maillot de bain, mais c'est que partie remise. J'ai exprès allumé les bulles parce que ouais. Je pense que c'était pour toi. C'est ça. On va s'intéresser parce qu'évidemment que comme dans tous les hôtels, il y a forcément la partie restauration, la partie culinaire qui est importante. Romuald, merci messieurs d'être déjà avec nous. On va s'intéresser pour commencer à Giuseppe Colella, qui est le chef, on s'en rend bien compte, de cette restauration. Racontez-nous, moi on va le poser là, je vais en prendre, j'ai plutôt une période sans alcool pour vous dire la vérité, donc je vais vous le laisser, je boire un petit verre d'eau tout à l'heure. Joseph, faire santé quand même. Ouais, santé quand même. Racontez-nous, c'est pas grave du tout. Racontez-nous, Joseph, peut-être simplement votre parcours. Alors évidemment d'origine italienne, qu'est-ce qui vous a fait arriver vous aussi ici à Hagstad? Moi, je suis né sous l'île d'Ischia. J'ai fait mes études et après j'ai commencé mes voyages, commençant par Milan pour 4 ans dans le Four Seasons Hotel. Après, j'ai bougé vers Berlin. De Berlin, j'ai bougé vers Bruxelles. Et après, je suis arrivé à Gstaad, par coïncidence avec un client. J'ai fait 10 ans au Grand Hôtel Park. Et là, la première année que je suis arrivé, j'ai rencontré notre directeur, Romuald Burg. Une belle histoire qui dure depuis longtemps. Ça dure très très longtemps, oui. Voilà, c'est beaucoup d'amitié que ça évolue parce qu'on n'a jamais travaillé ensemble. Et maintenant, maintenant, ça fait 9 mois qu'on travaille ensemble. Après beaucoup d'essais, on est arrivé. Et tout se passe bien. Alors, je dois vous dire, pour ceux qui nous regardaient, c'est vrai que c'est dommage que vous ne puissiez pas capter des odeurs. Parce que là, je ne vous dis pas les odeurs qu'on a en dessus de cette table. Giuseppe, peut-être nous raconter, bon, à mon avis, c'est assez parlant, mais enfin, on va quand même commenter un petit peu ces deux plats que vous nous avez préparés. Et puis rappelez que vous pratiquez, Giuseppe, une cuisine qui est italienne, méditerranéenne. Voilà. Et moi, je vais essayer d'utiliser beaucoup les produits de la région. Et comme on voit, on a fait préparer un tartare de bœuf avec de la viande du Saint-Hélène. Et les œufs pour accompagner, c'est une petite maison qui produit des œufs de Kaya Grund. Mais quand même, on a l'alternative au poisson qu'on n'utilise pas. Ça, c'est le côté méditerranéen. Ça, c'est beaucoup le côté méditerranéen avec un poulpe de la Méditerranée avec des oignons rouges de Tropea et des olives Tajasca. C'est un petit peu, c'est l'histoire un peu d'essayer de vendre notre cuisine léger en utilisant beaucoup de produits locaux, mais quand même on a quelque chose d'étranger. Et alors là, ça nous fait déjà passablement envie. Je dois vous dire la vérité que quand on va poser le micro, on risque de goûter évidemment la salade de poulpe et le tartare. Non, on l'emmène de nouveau. On va l'emmener, on va aller s'asseoir, s'installer tranquillement. Comme autre plat, peut-être signature, qu'est-ce qu'on peut trouver sur la carte Moi, j'adore naissance de la mer, j'adore cuisiner toutes les sortes de poissons, mais quand même, je dois dire que mon plat préféré, c'est de construire des pâtes, parce qu'avec les pâtes, on peut toujours inventer quelque chose. Et moi, je ne veux pas vous mettre dans l'embarras, mais en hiver, par exemple, Romuald ou Giuseppe, est-ce qu'on arrive à trouver quand même une petite fondue pendant qu'on est... Est-ce qu'il y a des plats suisses du même coup? On a une cuisine qui est traditionnelle aussi. Hein. On a aussi une cuisine traditionnelle que... La cuisine traditionnelle, on a notre petit restaurant 47 où on serve que de la fondue, viande séchée, les salades typiques. Et quand même, sur notre terrasse, on serve en été des rostis pour rester un petit peu dans la cuisine locale aussi. Okay. Aussi maintenant, le mois de juillet-août, on va trouver les rostis sur notre terrasse. Bon, je pensais vous piéger, mais vous êtes organisé, il y a tout ce qu'il faut. Je voulais dire, en 20 ans plus ou moins que tu es dans la région, tu fais sûrement mieux les rostis et le Zürich Käsestätzle que beaucoup de Suisses. Oui, c'est souvent comme ça, parce qu'on se creuse un peu plus. Quand on pratique tous les temps les choses, ça vient plus facile d'apprendre des techniques et des choses faciles. Voilà, ça pose... L'attente, c'est un peu plus longue parce qu'on le fait tout à la minute. Les pommes de terre et tout ça, c'est fait à la minute et ça risque d'attendre un petit peu plus, mais à la fin, le résultat, c'est top. Il y a le temps pour un apéro. Il y a le temps pour un apéro. Romuald,
On va terminer cette émission avec, je crois qu'on peut le dire, un petit coup de cœur. Hein, quelque chose qui te tenait à cœur, là aussi, avec le départ d'un employé précieux, Julio, qui est juste qui avec nous, derrière. Il était pendant quelques années chez nous, cinq années, et c'est un pincement au cœur. Pour lui, il a presque les larmes aux yeux tous les jours. Il va juste nous expliquer, parce qu'il ne parle pas forcément français. On va le décharger peut-être de ses plateaux, parce qu'ensuite, je crois que tu dois réserver une petite surprise. Tu dois juste peut-être encore nous dire ce que c'est. Ça, c'est une tortille à portugaise. Oui. Et la composition de ça, c'est de tous les légumes, pommes de terre, sel, poivre. Très sympa. Donc ça veut dire qu'on ne trouvera pas la recette. Les gens qui vont venir dans deux jours, malheureusement, ils ne vont pas retrouver cette même recette. Il la fera et on la ramènera. C'est la dernière fois. Et on la ramènera. Mais nous, on est une famille, finalement, non ? On est une famille. On lui dit au revoir déjà à Julio. Merci beaucoup. Ah, il y a une petite surprise pour Julio. Oula, ouais, c'était une belle surprise, rafraîchissante. J'espère qu'il n'avait pas le Natel dans sa poche. Julio, est-ce qu'on s'est soucié de savoir s'il sait nager, Julio ? À mon avis, il nage très très bien. Il est en plus tip-top entre les lignes. Est-ce qu'elle est bonne ? Normalement, elle est à 28 degrés, c'est elle juste ? Elle est à 28 degrés. Bon, la prochaine fois, c'est nous. On va se jeter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Giuseppe, d'avoir été avec nous. Romuald, tu me l'avais dit. Hein. Toi, tu voulais une petite surprise. Tu m'as dit, moi, je ne veux pas faire une émission traditionnelle. Moi, je voulais mettre toi dans le... Moi, mais ça, ce sera la prochaine fois. Parce que là, moi, j'ai le Natel qui est là. Et ça, c'est très délicat. Mais la prochaine fois... Non, la prochaine fois, c'est moi qui saute dans l'eau. On ira tous les deux. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Merci de nous avoir suivis. On vous le rappelle, on était ici, évidemment. Et regardez, on souffle. Hein, avec le soleil, non, je rigole, il fait une température chez vous, idéale, température absolument idéale, c'est un cadre magnifique, on est à Schönried, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les Alpes bernoises, on est à côté de Gstaad et on est à l'hôtel Hermitage Wellness et Spa, un hôtel magnifique qu'on ne peut évidemment que vous recommander. Merci beaucoup Romuald, à bientôt, ciao.